Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur EWES Survival Series en compagnie de notre petit écureuil volant qu'on aime bien. Franchement, le jeu, je le trouve tellement bien. On va essayer de trouver sa mère et sa sœur. On va continuer notre périple. Est-ce que c'est possible de passer là? Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Non, j'étais pas convaincue. Ah, d'accord, j'ai compris. Attendez, j'ai peut-être compris. Ah, il y a moyen. Ok. Il y a moyen, d'accord. Je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça. Bon, je suis passée quand même. Hein. Vous me direz, avec la chance, des fois, on y arrive. Ok, donc, oui, je continue ce jeu que vous aimez bien et que j'aime bien. Pour le coup, c'est top. Certains des insectes et arachnides de Savior Island ont montré des signes de symbiose avec les champignons. Une connexion profondément intuitive et peut-être oui, on aime bien les champignons. Avec la vie fongique de la région. On aime bien les champignons. Ce phénomène a inspiré une théorie qui, si elle se confirme, pourrait permettre le retour de la vie humaine sur la planète Terre. Sur la planète Terre, ouais, mais en même temps, s'ils font des conneries. Hein. Alors, ça serait par où? Là-dedans? Là-dedans! B. Ah, ok, on peut ouvrir là, d'accord. Ouais, c'est moins joli d'aller dans les bâtiments, mais pourquoi pas? Ok. Ça, c'est pour trouver un morceau d'histoire, je pense. Je suis où? D'accord. Je pense qu'il y a un autre hologramme à regarder, non? Là. D'accord. Donc à cause de ce qu'ils ont fait, les animaux ont commencé à se rebeller contre eux ou un truc comme ça, c'est ça? Détective. J'ai un succès détective. Ok. Enfin, il y a des secteurs qui étaient plus sûrs pour les humains mais à la suite de ça, en fait. J'aime bien quand il s'énerve, mon petit truc, il a les bras qui vont dans tous les sens. Ok. Bon. Le phalanger a découvert les plans d'une navette spatiale qui était destinée à transporter les scientifiques loin de l'île et de la Terre. Malheureusement, on dirait que ces plans ne se sont jamais concrétisés. D'accord. Donc il voulait Si évacuer. cette navette avait été construite, elle aurait contenu des compartiments dédiés au transport de spécimens animaliers vers l'arche. Une arche de Noé moderne, quoi. D'accord. D'accord. C'est par où la sortie? Par là? Cette mygale est une araignée Goliath. Sa masse et son poids d'exception en font l'araignée la plus grosse du monde. C'est une mangeuse opportuniste qui se délectera de notre petit phalanger si l'occasion se présente. Le phalanger doit tout faire pour l'éviter. On va essayer de pas se faire bouffer. Attends, me jeter. Je suis où là? Parce que des fois, on voit pas bien ce qu'il faut faire. D'accord. Alors après. Ok, dans le tuyau là. Une araignée Goliath. Pourquoi pas? Oula, calme-toi, tu passes à travers les structures.
Elle me regarde quand même, hein. Je suis bloquée sur le... Il s'accroche un peu partout, le phalanger. Des fois, c'est un peu compliqué. Ok, on va passer là. Je sais pas si c'est par là, mais... Si, c'était par là. Je sais pas où elle est. Là-bas. Moyen que je passe ou pas là ? Vite. Je la sens moyen. Ok, il va falloir que j'aille là-bas. Je la renifle pas, quoi. Elle peut grimper, oui, bah c'est une araignée, vous me direz. À pouvoir grimper. Ok, par en bas là-bas. Et me regarde pas comme ça. Oh bordel. Chut. Elle est juste au-dessus, quoi. Bon, elle a pas l'air très très de voir très très loin, mais bon, on sait jamais, hein. Ok. Ah, fais pas ça, fais pas ça, fais-moi pas ça. Hein. Vas-y. D'accord. C'est bon. Je crois qu'on va être dehors. Casse tout, casse tout. Voilà. Le phalanger volant s'est bien débrouillé et a réussi à ne pas attirer l'attention de l'effrayante Migale. L'effrayante Migale. Bon. Maintenant. Le toit du gigantesque dôme de géant offre une formidable opportunité, celle d'une vue panoramique de l'île. De cette hauteur, il pourra peut-être repérer sa famille disparue. Faut que je grimpe. Attendez, s'il y a des machins à choper. Et ce qui est chiant, c'est que quand on les tape, celui-là, par exemple, c'est pas la peine. Ah si, voilà, dans ce sens-là, ça peut aller. Si je le tape trop et qu'il s'emballe dans l'autre sens, on pourra pas le manger, donc... Bon. Donne. Oh, ils donnent que dalle, ces trucs-là. C'est nul. Ils sont nuls. Alors, il faut que j'arrive à grimper sur le toit, c'est ça, le truc. J'ai pas tout suivi, là, pour le coup. Peut-être par là. Alors. Non, tu veux pas? Attends. Dis ça là-bas, non? Là, tu peux? Voilà. Va là. Ah. C'est pas ça que je voulais faire spécialement. Grimper là. C'est pas possible. Bah, va là-bas alors. Ok. Ah, c'est compliqué, hein. J'ai peur de tomber à chaque fois. Les voilà. Il doit rattraper le vautour. Le temps presse. Oh non, va falloir que je cours. Vas-y, cours, cours, cours. Ouais, mais c'est barré, quoi. Ils volent trop vite. Oh merde. Ah bah oui. Le pire est arrivé. Un éclair a frappé l'un des arbres de l'île et un incendie s'est déclaré. Avec de tels vents, nul doute que ce brasier va rapidement progresser. Notre phalanger doit encore aller plus vite. Oui, puis il y a de tout, il y a des loups. Ces chasseurs invétérés sont toujours à la recherche de viande fraîche. Le phalanger volant ne sera pas un gros repas, mais sur une île où le gibier est rare, les loups ne feront pas la vie mouche.
Ok, on va essayer de s'en sortir comme ça. Hein. Ok, excusez-moi. Est-ce que je vais pouvoir sauter par là-bas? Ok. Ça devrait aller. Des éclairs partout. Est-ce qu'on peut savoir où aller? Pas vraiment. Si. Ok, par là-bas. Ah, je m'en doutais un peu, mais par là-bas. Ouh, je me suis envolée avec un bug, là. Oh, furée. D'accord. Ouais, ouais, mais... Ah, c'est mort. Chut. Voilà. Je sais pas comment je m'en suis sortie, mais... Alors, le jeu a quand même quelques bugs, hein, pour le coup... Ok. J'ai eu un bug du jeu. Il a fallu que je relance les copains, c'est pas grave, on relance. Donc on se retape la cinématique, ça crame. Le pire est arrivé. Un éclair a frappé l'un des arbres de l'île et un incendie s'est déclaré. Avec de tels vents, nul doute que ce brasier va rapidement progresser. Notre phalanger doit encore aller plus vite. Ok. Ces chasseurs invétérés sont toujours à la recherche de viande fraîche. Le phalanger volant ne sera pas un gros repas, mais sur une île où le gibier est rare, les loups ne feront pas la fine bouche. Attends, mange un coup avant de partir? Non, tu veux pas? Si, voilà. Ok. Ok. Je me suis loupé, droit dans la gueule du loup. C'est pas une expression. Je sais pas s'il faut pas... Vas-y, grimpe. Ok. Des fois, les sauts, c'est compliqué, hein, quand même. Hein. Allez doucement. Pas la peine de se précipiter. Il n'y a pas le feu. Enfin, si, quand même, mais... Alors, est-ce qu'il y a moyen de sauter sur ça, non? Aïe, peut-être le mieux c'est de passer par les arbres. Ok. On va passer comme ça. Je pense que c'est le mieux à faire. Assez loin des loups, ça serait pas mal. Foutez-moi la paix. Oh, un petit papillon. Ouais, non, mais je peux pas le manger là, de toute façon. Ça sert à rien de dire un petit papillon, hein. On n'en fera rien. Non, t'es dans quel sens? Ok. Ah, on aurait pu passer comme ça, attendez. Non, non, je le sens pas là. Des fois, c'est un peu bugué. Hein. Tout à l'heure, ça m'a éjecté des arbres, il y a eu un bug. Et là, il veut pas descendre. Si, c'est bon. Ok, on va faire ça doucement. Dun, 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 dun. Ok. On va passer comme ça. Non. On va passer comme ça. Les loups ont senti l'odeur du phalanger. Oui. Ils se retrouvent sous les arbres. S'ils trébuchent ou s'ils calculent mal son vol plané, ils risquent de tomber tout droit dans leur mâchoire. Attendez. Les loups ne sont pas le seul problème. C'était ça le bug que ça a fait tout à l'heure, je me suis fait avoir comme ça. Ça m'éjecte en fait des arbres par moment. Ok. Bah, les loups ne sont pas le seul problème, je m'en doute bien. Puisque vous me faites voler. Hein. Donc bon. Descends là. Ah. Ok, ça va être par là en plus. Alors que les loups encerclent l'arbre, le feu continue d'avancer. Oui, oui, mais bah, je me doute bien. Il s'accroche aux branches de toutes ses forces. Je me doute bien, je me doute bien. Attendez.
Y a pas moyen de viser l'arbre là-bas. Hein. Faut y aller de nous-mêmes. C'est pas. Non! Oh, je sais pas comment je m'en suis sortie. Ok. Donc ça serait par là et ensuite. Bah par là-bas. Hein. D'accord. Bordel. Tellement compliqué. Ah, ça crame partout, bah c'est bien. Comment on fait? Ouais, c'est bon. C'est bon. L'incendie a fait sortir un troupeau de cerfs de leur abri. C'est l'occasion pour notre phalanger de trouver un moyen de transport. Ok, nice. On est bien. On est bien. Ou pas, quoi. Il y a des crocos, quand même. C'est stylé. Un croco, non? Ah non. Oh non, je me suis gouré. Oh, ça va. Je sais pas comment je me suis pas plantée. Pourquoi ça m'a mis espace? Ah, parce que j'ai fait un screen. Et du coup, ça m'a remis les touches clavier. Je m'étais pas gouré. Oh, il y a un cercle. Le jeune phalanger a bien progressé depuis qu'il a quitté l'île. Il maîtrise maintenant toutes les acrobaties qu'il apprenait autrefois auprès de sa mère. Ah bah, à force. Ah, il est là, le vautour. Je voulais vous le montrer, mais la caméra... On a décidé autrement. Allez, mange. Ah, tant pis. Ok, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. C'est par là? Non. Où je le sens moyen. Ah, je sais pas comment je me suis pas loupée. Ça, en fait, là, c'est la partie parcours, hein, pour le coup. Désolé, mais faut bien des fois. Hop. Parcours, mais stylé quand même. La musique est forte, hein, mais stylé. Hein. Ah, pour vous, je pense que c'est pas trop fort, j'espère. Sinon, vous m'entendez plus, c'est pas grave. Ça crame, hein? Comment le feu? Ah oui, avec les braises. J'allais dire, comment il se propage avec l'eau, le feu? Bah, avec les braises. Tout con. Ça vise où? Ok, je veux bien aller là. Si vous voulez. Ok, et après bon, grimpe.
Oh, il va tomber, je le sens. C'est par là, hein. Je suis pas revenu au point de départ. Mange. Non. Des fois, c'est un peu chiant quand c'est bugué comme ça, les champignons. Voilà. Ok. Ok, bon, on va prendre le chemin d'urgence, là. Je saurais pas dire, hein. Là-bas? Ah! On voit rien! Ok. T'es sûr de toi, là? Tu vas dans les... Ok. Oh non. Une couleuvre. Un mamba noir. Oh non, mais c'est encore pire. Serpent le plus dangereux au monde. Ce serpent est rapide, très venimeux et raffole des petits mammifères, comme le phalanger. Elle est basse, la voix off. Il a besoin de déployer toutes ses qualités pour survivre à cette menace. Un mamba noir. Ah, mais à chaque fois, il se gourre. Vas-y. Bébé. Ah, il peut pas. Hein. Moi, je vais lui mettre des tartes. Hein, ça... Non. Non. Oui, bah oui. Attends. Ah, c'est bon. Non. Non, non, non. Bah ouais, mais... Désolée, je sais pas pourquoi ça déconne. Par moment, ça veut pas faire ce que je veux. Là, je veux taper, mais bon, trop tard. Décale. J'arrive pas à le toucher, ce con. J'arrive pas à le toucher. Et moi, c'est bugué quand je fais la touche pour viser et taper, ça veut pas. Hein. Je suis obligée de les taper comme ça à la main. C'est un peu chiant, mais bon. Non, ça veut pas. Hein. Y a rien à faire. Hein. Quand il y a le truc left target et attaquer, ça veut pas me la faire la touche. Mais bon. Ok, re les copains. Désolé, je me suis pris les piques et je suis morte. Donc, hop. On va essayer de la refaire. Ok. Ce qui est chiant, c'est que moi, j'ai pas la touche attaquer. Je suis obligée d'y aller à la main comme ça. C'est un peu embêtant. Là, vous voyez, normalement, je peux le viser. Ah si, ça a marché. Vas-y, fous-lui des baffes, fous-lui des baffes, fous-lui des baffes, fous-lui des baffes. Mordis-le. Hop. Alors? Ah mince. Alors, il m'a tué. Ok. Ok, on y retourne, désolé. Je suis morte de pique. Mince. Ah. Les piques, vous voyez, sur le côté, là. Ah, mince ! Pas ça que je voulais faire. Ah, mais des fois, ça veut pas le taper. Hein. Là, je suis dessus, là. C'est bon. Fous-moi la paix. Ok. En fait, faut attendre qu'il ait la tête baissée pour pouvoir faire ça, c'est étrange. Non, pas les piques. Ah, je vois plus rien. Attends, je voyais plus rien. Allez, tatane. Ok. Bah, il est costaud, hein. Il a l'air costaud. Je suis un peu trop près, là. Hein.
Allez, je te tatane la tête. Hop, 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 hop. Allez, ça suffit maintenant. On va peut-être arrêter, hein, les conneries. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Alors? Le Mamba noir, tellement stylé. Tellement stylé. Bon. Certes, mais... Bon, on continue, hein. On continue un petit peu, puis après on va s'arrêter là. Pour la partie feu, hein. On va finir par s'en sortir, vous inquiétez pas. De cette zone-là. Oui, ça va être là-bas, la sortie. Nous voyons le bout du tunnel. Attends. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent allemand, mais... Ok. C'était censé être un accent allemand. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolée. Ok. Vas-y. Ah, maintenant je l'ai en tête, mon truc. En fait, non, nous ne voyons pas le bout du tunnel. C'était pas le bout du tunnel. Oh, il y a encore tout ça là-bas. Attendez. Non, t'es où? Où tu es? Descends. Ok. On va s'en sortir, hein. Ne vous inquiétez pas. Elle est un peu longue, la zone là, mais bon. Comme ça, hein. Il a glissé. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Saloperie. Pourquoi tu m'as fait ça? Ah, par là. Sortie par là-bas. Non, shelter. Ok. Eh, mais arrête de bugger. Je voulais voir la, bah, l'écriture. C'était marqué shelter here. Donc, abri par ici. Ah, un peu plus calme. Un peu plus calme, mais on va s'arrêter là, les copains, pour cette vidéo-là. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures avec notre petit écureuil volant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. À rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. C'était Lee en écureuil volant et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.